Bonjour les lions, c'est Zef, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ce Let's Play d'Assassin's Creed Origins. Bon visionnage! C'est toi le Medjay de Siwa? Je croyais que les Medjay devaient protéger le pharaon. Je ne suis le Medjay d'aucun pharaon. Tu vois ça? Je sais lire mon propre nom, Nek! Parce que t'étais pas assez blessé. Écoute, moi j'étais en apnée tout le temps, donc laisse-moi tranquille. Oh, c'est à moi. Très bien. D'accord. Ok. Ah. Oups. Merde. Oula. C'est pas moi. Putain, il s'est relevé vachement vite, l'enfoiré. Il s'est quand même arrêté net. Ah merde. Hop, ah. Ah. Ah zut, il était juste tout juste trop loin.
Bon, d'accord. Ah merde! Olé! Ça c'était joli. Hop. Ha! Ah merde! Ah ah! Non mais Ah mais c'est con, il... Ouh. Ouh, j'ai fait un petit critique là. Ah merde. Hop. Ah, j'ai mes points de vie en bas, c'est ça? Ah putain. Et non. Oh, petit critique. Oh oh. Bim. Voilà. Récupérer. Maslou. Ouh, joli, nouvelle arme. Option. D'accord. Arme à distance. Qu'est-ce que j'ai fait? Équipement. Ah, j'ai dû appuyer sur un truc que j'aurais pas dû. Alors, corps à corps. Donc ici, je peux prendre et... Ah, d'accord, ok. Ah, ça, c'est les armes que j'ai reçues. Ça, c'est la massue que je viens d'avoir. Ok, alors, adrénaline, élimination, dégâts, poison, atteinte, ok. Ok, mais écoute. Ouhouhou. Excellent, mais je suis déjà super équipé en fait. Portée, oui, non, je vais le laisser là. Très bien. Aucune issue. Zut. Ah, il doit avoir une issue quelque part. Oh, j'ai entendu quelque chose là. Ça fait du bruit, mais je sais pas d'où ça vient. Ah! Ça y est, j'ai trouvé quelque chose. On appelle ça une porte. Hop là. Tranquillement.
a dû être construit il y a plusieurs siècles. Ah. Cool, donc en fait tu fais comme ça. Et quelque part, il y a alors des petites flèches qui te disent, hé, hey, ici il y a quelque chose. Pardonne-moi, grand homme. J'ai besoin de ça. Quelque part, il doit encore avoir des flèches. Mais... Merde alors. Mais où sont les flèches? Ah, c'était très proche là par contre. Ah, y a rien. C'est bizarre, le son il était vraiment fort. Par contre, je vois rien, il y aurait un truc en haut. Ah, oh la vache. Attends. C'est-à-dire que j'ai vu... Enfin, que j'ai vu, que j'ai analysé aussi loin. D'accord, mais donc si je fais comme ça et que je vois pas de flèche, c'est qu'ici, il n'y en a pas. Ah, ça disparaît. D'accord, donc ici, il n'y a vraiment plus rien. Est-ce que je peux aller par là? En fait, je suis un enfoiré. Les richesses des anciens. Bah écoute, on va venir, on va tout piquer, hein? Je trouve que c'est une très bonne idée. Qu'est-ce qu'ils en ont plus besoin, hein, de toute façon. Merde. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah, là-bas. Ouais, mais tu scannes hyper loin, c'est un truc abusé. Ah. D'accord, bon, c'est principalement de la thune. J'ai quand même entendu un gros bruit. C'est excellent. Truc que j'ai pas pris là. C'est bien qu'il y avait deux trucs. Ouais, tu sors d'ici, t'es quasiment riche. Sinon, c'est pas derrière moi. Ah, d'accord.
Ok. Alors, je pense qu'on va devoir monter par ici. Hop. Tranquillou. Voilà. Ici, on a un peu d'or. Attends, ici, il y a quelque chose aussi. Ah non. J'ai juste pu monter par là tout à l'heure, quoi. Très bien, hop. Tranquillou. Donc ça c'est fait. Ah, là-haut, de la lumière. Ah voilà. Oui, c'est par là. Ce mur. Ouh, des gens. Des soldats. Bien entendu. Parle de moi. Salut. Je vois que tu t'es fait de nouveaux amis. Tu préparais une embuscade. Heureusement que je suis venu à ta rencontre. Venez-moi. Regarde-moi cette barbe. Ça fait presque un an, mon ami. Quel plaisir de combattre ainsi. Je n'ai plus l'habitude. À Siwa, tout le monde obéit aux soldats sous peine de mourir. Ou pire encore. J'ai tué l'un des porteurs de masques. Le héron. Il en reste quatre. Bien. Le chemin a été long. Tu dois te reposer. Ah, non. Pas question. Je me reposerai quand les tripes des porteurs de masques cuiront au soleil. Bon sang. Qu'est-ce que tu m'as manqué? Ah, faire cuire des tripes, ça peut être bon, hein. Ah, te voilà, toi. Allons-y, Séné. Comment vont les choses depuis mon départ? La vie est très difficile, Bayek. En ton absence, les villageois se tournent vers moi pour assurer l'ordre. Les soldats ont installé une garnison et ils contrôlent tout. Garnison à Siwa. Ptolémée veut mettre toute la région sous sa botte. Je fais de mon mieux pour veiller sur les villageois, mais j'aurais besoin d'aide. Ouh, on va défoncer des gens. Mais souviens-toi, je suis revenu ici pour rendre ma justice. Ah, je savais que je pouvais compter sur toi, Séné. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les soldats de la garnison sont violents. S'ils ont l'impression qu'un habitant leur ment, ils mettent le feu au hameau. Ou bien pire. Ils mettent deux fois le feu? Non, bah ce... Comment ça... Bien pire? C'est-à-dire que tu détruis tout, bon, t'as mis le feu, voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux faire de pire? Bienvenue chez toi, Bayek. Siwa t'accueille à bras ouverts. Cool. J'ai quand même tué des gens tout à l'heure et j'ai pas eu d'XP. Là, t'arrives dans une ville que tu connais et tu reçois 25 XP. Est-ce normal? Tu viens d'écraser quelqu'un, fais attention. Et toi, tu les écrases. Ne peut faire un geste sans être interrogé, menacé.
taxé ou battu. Excusez-moi. J'ai appris à obéir et à baisser la tête. Tu vois que je te mens pas, Cédi. Nous n'attirons pas l'attention. Moi, j'attire l'attention avec ce putain de cheval. T'inquiète pas que les gens, ils doivent savoir. Ça... Est-ce que tu comptes aller dans ta maison ? Rien ne m'attend là-bas. Ah si, un lit, je sais pas moi. Parle-moi de l'Ibis. Medunamun. Il est ici. C'est un vrai fléau pour l'Oasis. Comme tu peux le voir, les soldats sont devenus bien plus violents depuis son arrivée. Avant, ils buvaient et ils se bagarraient avec nous. Depuis que Medunamun est là, ils sont plus disciplinés. Féroce. Putain, les enfoirés. Oui! Ne le sous-estime pas. Il a beau être sec et maigre, il reste très puissant. C'est pas grave. Cool. Ah, allons-y, voilà. Laisse ta monture, elle ne s'éloignera pas. Vas-y, entre. Yeah. Je suis comment pour... Comment je fais à descendre? Mais non mais... J'arrive pas... Ah cool. Ok. Je descends comment? Je sais pas, je dois la mettre quelque part de spécial ou... Bah, descends. Ah putain, il fallait appuyer longtemps sur rond. Excuse-moi. Désolé. Repose-toi, mon ami. On a vécu une journée difficile. Ça, j'en ai aucune envie. Je dois me préparer à l'affronter. Rabia. Marabia. J'étais si inquiète pour toi. Ah, tu me connais bien, hein. Tu as de quoi t'inquiéter. Ah. Regarde-toi, des bleus, des coupures. Je vais bien. Assieds-toi. Allez, allez. Je vais m'occuper de ça. Ah, tu n'as pas changé. Ah. Toi et Aya, combien de fois je vous ai soigné? Vous mentiez à vos parents. Les temps ont changé, mais toi, tu es resté le même. Il a quand même l'air vachement moché, le gars, je veux dire. Par le sommeil d'Osiris. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais. Ah, Rabia m'a soigné, je t'ai laissé dormir. Il te faudra des forces pour affronter Medunamun. Et puisqu'on en parle... Nouvel arc. Vois s'il te convient. Vaut mieux que tu cherches à l'atteindre à la tête. L'un des mannequins est plus solide que l'autre. Tu peux trouver d'autres flèches là-bas. Est-ce que t'as déjà vu quelqu'un tirer des flèches aussi bien ? Personne ne doit quitter cette maison vivant. Ebzefa ! Nous venons seulement discuter. Oui, bien sûr. Je viens... Le nomarque a été tué. Ton ami le Medjay est sans doute coupable. Sors de là.
une embuscade. Nek ! Ils vont trouver mes lettres et brûler ma maison. Je vais être exécuté. Ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper. Attention ! Ah ! S'accroupir ou se relever. D'accord. Quoi ? Qui est là ? Baisse-toi. Il s'approche un peu trop. Maintenant, autour des autres. What? Mais... Mais pourquoi le... Ça a pas marché. Bon, c'était peut-être fait exprès. C'est le dernier. Merci, Bayek. Je t'avais dit que ces Neketiadet se moquent de tout. Ils se croient tout permis. Ouais, c'est triste. Viens, monte avec moi. Je vais t'expliquer tous les devoirs du Medjay à Siwa. Tous les problèmes de Siwa sont là. J'essaie d'aider tout le monde, mais c'est impossible tout seul. Tu es en train de me dire que tu n'as pas les pouvoirs d'un dieu. Mais le vrai problème, c'est l'homme que tu veux tuer. Medunamun. Son arrivée a suscité de l'espoir. On a cru que les choses s'arrangeraient. On a vite appris la vérité, en fait. Je crains pour la sécurité de ta famille, prêtre. Je vais redoubler d'efforts pour la mettre en lieu sûr. Voilà l'homme que tu veux affronter. Je vais le trouver et je vais le tuer. Medunamun est bien plus fort qu'il en a l'air. Et il sait s'entourer des meilleurs soldats. Ça ne changera rien. Tu vas te faire tuer. Il te faut un meilleur équipement si tu comptes affronter ce sac d'os. Au moins, une meilleure armure. Ah, je peux m'en occuper. Les armes, ce sera plus difficile. Les soldats ont pris toutes celles du village. Je vais voir le forgeron. Oui, Benipe pourra te fabriquer quelque chose. Et c'est nous pourra t'aider à trouver ce qu'il te faut. C'est nous. C'est nous est en vie.
Regarde qui voilà. Jean-Paul. C'est nous, ma grande. Tu es superbe. Rabia a bien pris soin d'elle. Je dois la remercier. Les gens ont vraiment besoin de ton aide, Bayek. Tu peux les rallier à ta cause. J'ai bien compris. Oh, oh. Ça, c'est du niveau up. Bien. Alors, on va voir. Est-ce qu'on a un arc différent? Non, on n'a pas eu d'arc. Fabrication. D'accord. Je vais progresser dans la quête principale. Aptitude. Waouh, la vache! D'accord, perception de sinus. 0,58, c'est joli. Alors, voyons voir. Là, on passe à guerrier, clairvoyant. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour pouvoir appeler. Obéir à maintenant pour ce soir à méditer à amener. Ok. Passif pour tuer un ennemi dans la tête rapporte un XP. Ouh, oui, alors déjà, plus d'XP c'est toujours bien. Assassiner un ennemi. Permet de placer dans votre inventaire des flèches adverses plantées dans votre bouclier. Ça c'est cool ça. Ça c'est quoi? Fouille automatique d'un ennemi. Ah voilà! On a un chasseur de toute façon, on l'a toujours été. Ouvrir journal Lucius. Ah d'accord, pardon. Ah merde, excuse-moi. D'accord, donc là, faux oracle. D'accord, ok. J'avais pas un autre truc que je pouvais. Ah la cible. Ok, le héron. Ibis, ça c'est le principal. Vautour, le bélier et le serpent. Je sais pas encore qui sont tous ces gens. Très bien. Ah, amener le réticule. D'accord, du coup, alors je sais simplement où il y en a. Quand tu en auras l'occasion, jette un œil à ma table. Des habitants ont besoin d'aide. D'accord, en fait, ça n'a rien à voir. Ça ne lui ressemble pas d'abandonner. La source d'eau douce dans la grotte à Manaï. Je connais cette grotte. Mieux vaut aller voir. Appuyez sur X pour le suivre. Transport. Ok, à l'aide... D'accord, donc quelque part, il doit avoir ce logo cuir souple. Ah, j'en ai vu un.
D'accord. Je suis allé tellement loin. Ah. Voilà, maintenant je sais où il est. Non, non. Bonjour, Tama. Bayek, sois prudent. Si Wa est un endroit... Ptolémée, il nous a tous tellement fait souffrir. D'accord, ne fais plus jamais ça. Ah. Oh! Ah merde! Oui! Un nouvel arc! Ça c'est cool! Ah oui, là j'ai eu deux. J'ai eu des quêtes en plus. Et. Hop! Cool! Excuse-moi pour l'attente. Ah mais ça va, attends, je te rebarre pas non plus. Oui. Suffire. Cool. Déesse de la chasse, je te remercie. Comment ça, déesse de la chasse? C'est moi qui ai chassé, remercie-moi.
Il m'a tiré dessus? Oh merde! Oh putain, quel con. Ah merde, oh putain. Ah mais je peux pas là. Ah non, j'ai plus de flèches. Ah ouais, mais je crois que... Je me suis un tout petit peu emballé à vouloir déjà attaquer ce camp là. Enfin, malgré moi. Je crois que j'ai juste tout doucement me casser. Oui, bah il courait à côté de moi, tu voulais que je fasse quoi? Bien. Excusez-moi. Oh, ça m'énerve d'avoir tout le temps le message là. Ah merde, c'était ma quête. Quel con. Mais quel con. Ah, je suppose que... Voilà. Ah, rien. Un flanc, le feu est allumé, les renforts vont arriver. Oui, c'est vraiment pas grave, je suis plus du tout à cet endroit. Une munition, oui, bah je le sais. Oui, ça va. Mitraillette. Bayek, notre Medjay, te revoilà. Qu'est-ce qui est arrivé à ta forge? C'est Neketia tête de soldat.
un capitaine de Ptolémée m'a vu fabriquer une épée et m'a accusé d'être un rebelle. Ils n'avaient pas tort. Non, mais ils m'ont pris tous mes outils. Ah, les chiens. Tout le monde a besoin du forgeron. Même moi. Je ne peux pas t'aider, Bayek. Pas avant d'avoir récupéré ma masse et mes pinces. Et qu'on m'ait débarrassé de ce capitaine aussi laid qu'Apep. Tu sais où je pourrais le trouver, ce capitaine, et tes outils? Au pied des collines, à l'ouest d'ici. Au camp Shedjé. Je te rapporterai tes outils. Et je m'occuperai de ce capitaine. L'IP a dit que ses outils étaient au camp Shedjé. Alors, niveau suggéré 2, on va faire celui-là d'abord. Le capitaine voleur est aussi le chef du camp Shedjé. D'accord. Nick Ennis. Je sais pas, présente-la moi d'abord, ensuite on verra. Oui, ça va, calme-toi. Oh, oh, joli. Hop là. Quoi? On dirait des Sims quand ils parlent. D'accord, donc là, j'ai pillé le trésor. Pitié, laissez-moi sortir. Ma famille a besoin de moi. C'est vrai, sa famille a besoin de lui. Laissez-le sortir. Ah, t'as raison. Alors, à trouver la cible. Ha. Ah merde! Oh, ah, ils sont légèrement trop forts pour moi. je m'enfuis. Oui. Oh. Ah, comme ils m'ont défoncé! Ah. Je suis un tout petit peu trop agressif en fait. Faut que je fasse beaucoup plus attention à ça.
Voilà. Faut juste que je m'habite en... m'habitue encore au... avec les... c'est pas, il est pas c'est pas comme un, comme les anciens assassins, la, la maniabilité elle est différente. Partez vite. Où est Eremon? Oh, Paramon, il est mort de ses blessures. La famille voudra l'enterrer dignement. Il est quand même très très fort, hein, parce qu'il peut quand même se déplacer tranquillement. Ah. Voilà. Ah, excellent. Non. J'ai une triste nouvelle. Où est Issa? Elle repose ici, avec son fils et sa fille. Toute la famille. Hélas, je vois que Térémon a aussi payé le prix de son audace. Je lui avais bien dit que son insoumission ne mènerait que tourment et souffrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu arriver des soldats, ils se sont cachés dans le cellier. Mais les soldats ont brûlé la maison pour donner une leçon à tout le monde. Ah, je suis désolé. Dépose son corps ici. Nous voyagerons ensemble dans la droite. Il y a tant de morts dans la Wahat qu'on ne peut pas les enterrer décemment. Ce n'est pas ton esprit rebelle qui t'a valu la mort, Séni. C'est le régime pourri de Ptolémée. D'un mauvais fort. T'es trop lent. Ouvre la paix, Térémon. Il en aura plus là-bas qu'il en a eu ici. Bien. C'est quand même triste. Hein. Je veux dire, c'est triste. Alors que si c'est ça. À l'absence de détection des assises. Ah. Ah, cool.
Ça, c'est quoi? Alors, en mode sélectionné, c'est mieux appuyer sur X pour marquer un habitement, un ennemi. Ah, ok. Tuer des ennemis avec un outil rapporte XP. Outil dégrosé, flèche. D'accord. Votre santé peut se régénérer au combat. Oh, 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 oh. Bien évidemment. Ok. Alors, au niveau des quêtes. Qu'avons-nous là? Bon, on va prendre celle qui est là plus proche. Ah. Ah merde, putain. Bon. Je suis désolé, les gens, pour ce vacarme. Je m'y étais pas du tout préparé qu'on allait m'attaquer ici, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Oui, ça va, calme-toi. Alors, trouver et récupérer les outils de Benny. Trouver et tuer le capitaine. Les outils sont au camp, machin. Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'Assassin's Creed. Si ça vous a plu, lâchez un petit pouce en l'air. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao les lions !